Alors, l'innovation du porte-outil Click Tool, c'est de pouvoir basculer le porte-outil à l'avant du tracteur pour pouvoir accrocher, décrocher plus facilement les outils. Donc, la procédure est la suivante. On déverrouille la clé avec ce levier et ensuite, on va faire pivoter l'ensemble jusqu'à l'avant du tracteur. Une fois dans cette position, l'opérateur utilise un des deux boutons pour faire descendre et décrocher la perche, puis déplace le tracteur pour raccrocher une autre perche et refait la manœuvre inverse, c'est-à-dire il verrouille son outil, il relève le porte-outil et ensuite il le refait pivoter dans l'autre sens. De cette façon, et enfin, il revient verrouiller ici. Le temps de changement d'un outil est de 3 minutes. Si on considère qu'il y a deux outils, en 6 voire 10 minutes, l'intervention est faite.